regarderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tiens quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère.
On a réussi! On perd notre identité face à l'immensité de la guerre. Une autre fourmi, un autre cadavre. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis démé, je suis un tirailleur, et que Dieu nous aide. Tirailleurs n'étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, Démé, faut trouver quelque chose. Trouve un moyen pour que ça marche. Détruire les canons sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie.
tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Je les vois! Les Allemands arrivent! Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis... et rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie là. Der Kommandant will nicht, dass wir viele Löhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Und hier landen! Mon Dieu, repose en paix, mon frère. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Ils ont placé un barrage. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient.
Essayez de communiquer maintenant. Ça m'étonnerait qu'il y ait des survivants ici. Tant de vies perdues. Il ne doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Ah!
s'accroche à ses petites victoires. Car le combat est sans fin et il faut aller de l'avant. Suivant, à l'attaque!
Idrissa! Te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On t'a fait confiance. On t'a confié nos vies, Démé. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Voilà. Signal envoyé. Ce canon n'est pas prêt de tirer maintenant. Ah.
combat et leur montrer ce qu'on vaut. Sois fort. Tout ce que vous avez! On doit l'ouvrir! Coûte que coûte! Poussez-toi! Tenez!
Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde Idrissa. Nous sommes des rois. Une photo pour la postérité. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.